Hey, salut toi, c'est Papa Popote. Ben oui, j'espère que tu passes un beau mardi, franchement, parce que là aujourd'hui, hein, c'est fait noir, il mouille, c'est frais, écoute, puis on a ça pour toute la semaine quasiment, écoute, c'est pas facile. J'espère vraiment que tu as passé une belle fin de semaine, hein, malgré tout ce qu'on vit, malgré tout ce que le gouvernement nous fait vivre en ce moment, c'est l'horreur, je t'en conviens, écoute, ça a été une action de grâce assez très ordinaire, disons-le comme ça, hein, mais quand même, on a réussi quand même avec la petite famille, là. Pouvoir se faire un bon souper, rester ensemble, apprécier le moment, parce que c'est ça qui est important, c'est les petits moments qu'on peut vivre ensemble, en famille, puis il faut en profiter, parce que c'est ça le bonheur, hein? Faut pas passer à côté de tous ces petits moments-là, parce que c'est très, très important, malgré ce que notre gouvernement nous fait subir. Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. J'ai pris le temps quand même, pour toi, hein? Parce que tu as la tête ailleurs. Alors, j'ai pris le temps de voir pouvoir les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, là, du 15 au 21 octobre. Déjà! Ben oui. Fait que, il nous reste 2 jours, aujourd'hui puis demain, pour profiter des rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine. Fait que, commençons tout de suite avec le numéro 1, le beefsteak de côte Tomahawk Sterling Silver de chez IGA. Écoute, à 10,99 la livre, ou si tu préfères, 24 et 23 le kilo, là. C'est assez de top, merci. OK, ça, là, avec le beau gros os, là. Tu sais, dans le fond, c'est le faux filet, la meilleure partie, là. Tu sais, le beefsteak, c'est le faux filet. Il vient avec l'os, ça qu'on l'appelle le tomahawk. Puis ça, là, tu peux te faire avec ça, tu peux le faire saisir, puis mettre ça dans le four mijoter, là. Avec l'os, ça prend du goût, là. Puis c'est bon, un bœuf, tu sais, un bœuf au jus, là. Super bon. Fait que ça, écoute, tu sais. Le numéro 2, les cuisses de canard confites, Lac Brome. 9,99 la boîte, toi. Tout est marqué là-dessus. Écoute, c'est facile, facile. Là. Tu suis simplement les indications que ça boîte, puis tu vas penser que tu es un chef. Cook. Puis ça, c'était tellement bon. Et quand tu vas goûter à ça, ben, après ça, tu vas voir que c'est difficile de s'en passer. Là. Tu cherches les spéciaux par la suite, parce que c'est assez cher, ça. Okay? Ça vaut 17-18$ la boîte, là, 10$ la boîte. Là, tu te dis, bravo, on a un super pas cher à se voir, chérie. Aussi, le numéro 3, écoute. Le jambon 1,4 kg, OK, royal. Hein, ce gros jambon-là, 9,98 $, il y a un prix. Donc, ça t'en revient dans le fond à, tu sais, à 7 piastres le kilo. Ça a bien du bon sens. Tu sais. Le numéro 4, écoute, la dinde entière. La moins chère que j'ai vue des dernières semaines, puis il n'y en aura pas une prochaine, ça c'est sûr, de la dinde. C'est une dinde entière. C'est vraiment dans des occasions hein, comme qu'on vient de vivre, là, qui nous proposent de la dinde comme ça. À 98 cents la livre, pas cher. Ou si tu préfères 2,16 le kilo, pas une grosse dinde. Là. Ça te fait un souper, ça c'est sûr, sûr, sûr. Puis il t'en reste après ça pour les fous, pour les fins. Puis ça c'est winner parce que ça se garde bien, puis on peut faire plein de choses avec ça c'est certain. Tu le sais. Le numéro 5, le rôti de filet mignon. Donc, c'est pas le filet mignon entier qu'il faut que tu parles. C'est vraiment juste la grosse partie du filet mignon, donc l'œil qu'on appelle le rôti, qu'on peut se faire des steaks avec, on peut se faire des cubes, faire des bonnes brochettes avec ça. On peut le laisser en rôti, le faire saisir, mettre ça dans le four. Merci, bonsoir, avec une petite sauce au jus. Puis... délicieux. Puis il est 13,99 la livre, ou si tu préfères 30,84 le kilo, tout paré. Il reste toujours la petite membrane sur le dessus que je te conseille vraiment d'enlever parce que ça fond pas, ça. Même si tu saisis, là, ça va venir. C'est une membrane. C'est pas du gras là, qui fond puis qui donne du goût, là. C'est vraiment une membrane désagréable en bouche. Fait que tu l'enlèves, tu sais, du bon filet mignon comme ça, tu sais, supposé de fondre dans la bouche. Puis là, tu pognes un morceau de membrane, ça vient tout gâcher la sauce. Fait que tu l'enlèves, ça, c'est sûr. Mais il n'y a rien d'autre à faire. Je veux dire, fait que c'est vraiment facile. C'est un bon prix. Vu qu'il n'y a pas de perte, ça c'est sûr. Le numéro 6, mais écoute, le filet de saumon. Filet de saumon, il n'y a pas de filet de saumon la semaine prochaine. C'est bizarre, hein? C'est spécial. 6,88 la livre encore cette semaine. Ou si tu peux faire 15 et 17 là-bas. Ça, c'est le meilleur prix, top prix là, pour du filet de saumon comme ça. Frais, là, super. Fait que tu sais. Le numéro 7, écoute, le bœuf haché maigre. La semaine prochaine, il y a du extra maigre, il y a du mi-maigre, mais du maigre, n'a pas. Puis là, c'est encore cette semaine. 2,99 pour le maigre, le bœuf haché, ou 6,59 le kilo, ça pour, écoute, belle protéine comme ça. C'est vraiment le top prix. Je te le conseille. Le numéro 8, écoute, le filet mignon entier. Tantôt, je t'ai parlé du filet mignon, juste la partie là, la plus grosse parée, là, pas mal parée, je te dirais, versus. Le filet mignon, pas pareil, là, sous vide, là, t'as le rôti, tous les steaks que tu peux faire, puis les cubes, tu sais, ça va comme ça, là. Donc, c'est sûr que là, tu vas avoir de la perte, mais là, il est à 8,88 la livre.
Hein? Ou si tu préfères 19,58 le kilo. Là, c'est sûr que versus le 30 pièces le kilo, 20 pièces le kilo, c'est 10 pièces de plus le kilo là, c'est vrai, plus cher, mais vu que tu as moins de pertes, parce que si tu, quand tu vas calculer les pertes que tu vas faire, ça va dépendre comment tu es bon, OK? Puis je te conseille de le faire pareil, parce que même tu vas, ça va arriver 4,38 pour une pièce là, à peu près là. Il va t'en revenir à peu près à 30 pièces le kilo là, celui qui est à 20 pièces en ce moment, coup Paris je parle, OK? Dans ce sens-là, tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire, mais c'est sûr que plus que tu viens bon, plus qu'il doit, tu peux t'en trouver qui te coûte juste 26, 28 piastres le kilo, tout dépendant, là, comment est-ce que tu l'as bien paré. Donc, tu sais, en tout cas, c'est là qui est le moins cher là, pour ce qui est d'une belle viande comme ça, que tu peux vraiment t'exercer là, puis te pratiquer là-dessus. Ça vaut la peine à ce prix-là. Ben, c'est moins, ça fait moins mal au cœur d'avoir de la perte que quand tu payes 70 piastres le kilo, on s'entend. Le numéro 9, écoute, le beefsteak de contre-filet. 4,99 le livre, 11 pièces le kilo pour du contre-filet. Super. Écoute, après le faux filet, le contre-filet, là, c'est très bien. Super. Une belle petite grillade, un vrai steak. Tu sais, là, pas cher quand même, 11 pièces le kilo. Là, c'est sûr qu'avec deux beaux steaks comme ça, tu peux faire facilement un bon souper. Ça t'attendait à peu près 10-11 pièces. C'est pas cher. Vraiment. Et finalement, le numéro 10, écoute, le petit jambon, le petit charcutier, hein? 675 grammes, 675 grammes pour 5,99. Là, ça, c'est super. Tu peux faire des sandwichs avec ça. Tu peux le couper en tranches, le mettre dans le beurre avec un petit peu de d'ananas ou des pommes. Écoute, c'est vraiment super. Avec un petit sirop d'érable là-dessus. Là. Patate pilée, petite carotte. Super bon. C'est toujours intéressant de l'avoir. Puis en plus, ça se garde un bout de temps. Au moins jusqu'à temps que la fin de semaine arrive. Là, tu peux te faire des œufs, jambon, patate. Oh, c'est du bon manger. Hein? C'est-tu un plaisir pareil de manger? Fait qu'écoute, profite-en, mange bien. Hein, fais des belles économies, mange pas de scrap, fais ta bouffe toi-même, puis écoute, tu vas être en santé financière et ta santé physique, ce qui est encore plus important, donc n'hésite surtout pas. Hein? Fait écoute, c'est ça qui est ça pour les 10 rabais qui ne reviendront pas la semaine prochaine, mais je t'invite, c'est sûr, à t'abonner à la circulaire de Papa Popote, c'est un must si tu fais les commissions, si c'est toi qui fais l'épicerie, je te le conseille fortement, pour avoir le mercredi avant 18h la circulaire dans ton courriel de Papa Popote, puis t'assurer de faire les meilleures économies que tu pourras jamais faire. Parce que ça, c'est sûr. Fait que sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, une bonne semaine, puis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.